Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo sur une thématique que je n'ai pas encore abordée sur la chaîne. Voilà, vous savez, sur la chaîne, j'aborde vraiment tous les sujets qui m'intéressent. J'ai pas une niche en particulier et aujourd'hui, je voulais vous parler du golf. Tout d'abord parce que j'ai reçu un colis de la part d'une marque avec des produits que j'aime vraiment beaucoup et je voulais vous les montrer. Mais aussi, c'est vrai que je poste beaucoup de YouTube Shorts en parlant du golf, en montrant effectivement un peu mon évolution, ma progression au golf parce que je suis débutante et je me suis dit qu'il était peut-être temps d'en parler un peu plus sur la chaîne. Allez, c'est parti! Alors, tout d'abord, comment je me suis mise au golf? En fait, il y a un an, enfin en avril 2021, j'ai fait une initiation de golf au golf Blue Green de Lyon-Chassieux. Et en fait, suite à cette initiation qui m'a vraiment beaucoup plu, j'ai proposé une collaboration à l'enseigne. Voilà, savoir si ça pouvait les intéresser, qu'on travaille ensemble. Donc l'idée, c'est que je représente le golf sur mes réseaux sociaux et sur le blog. Et quelques jours après, une semaine ou 10 jours après, je sais plus, j'ai été contactée par l'enseigne nationale et c'est là qu'on a mis en place cette fameuse collaboration. Donc en gros, pendant un an, enfin en tout cas, je disais avant de bafouiller, en gros, le principe de cette collaboration, c'est que pendant un an, j'ai accès au golf. Donc j'ai eu une formule enseignement un peu spéciale, enfin un peu spéciale, non, une formule enseignement d'un an qui comprend 30 cours, l'accès au parcours, etc., etc. Bref, donc cette première collaboration m'a permis de découvrir d'autres marques, dont la marque Indra Sportswear, qui est une marque de golf, de prêt-à-porter golf pour femmes. Donc une marque suédoise et je suis l'ambassadrice française. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir leur Instagram ou le mien pour découvrir la collection. Et j'ai pu aussi rencontrer Anne de Golf Art Time, qui propose donc des produits customisés avec ses propres designs. Bref, plutôt que de parler, je vais vous montrer et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors, j'ai eu la chance que Anne m'envoie différents colis, donc je vais montrer. Le premier, alors celui-là, quand je l'ai vu sur le site, j'ai complètement craqué. En plus, c'est celui avec la sexy girl. Hop, c'est une bouteille isotherme. Donc voilà, c'est vraiment pratique sur le parcours. En plus, vu le format, enfin, je la découvre en même temps que vous, hein, elle est vraiment canon. Et vu le format, je suis sûre que ça rentre dans mon chariot, donc c'est plutôt pratique, puisque c'est vrai que je vais au golf en hiver, et du coup, une boisson chaude n'est pas de refus sur le parcours, histoire de se réchauffer un petit peu. Donc voilà, hop, ma sexy girl que je trouve trop canon. Ensuite, j'ai reçu une première boîte. Hop, alors que je fasse attention, c'est fragile. J'ai reçu la fameuse tasse. Pareil, sur le site internet Elia, il y a différents modèles. Hop, j'essaye d'enlever le reflet. Donc toujours avec la sexy girl. Et normalement, si je me trompe pas, dans le deuxième, il doit y avoir la version homme, golfeur, masculine. Alors, ah oui d'accord, je suis pas douée. Hop là, ah ouais, elle est vraiment sympa. Hop, je vous la montre comme ça. Et vous voyez, en fait, tous les designs ont été dessinés par Anne. Donc, c'est vraiment des designs bien spécifiques et originaux, etc., que vous ne retrouverez nulle part d'autre. Bref, j'adore les tasses. D'ailleurs, je me suis débarrassée enfin de mes tasses cassées parce que je savais que j'allais en recevoir deux. Ensuite, petit sachet. Ah, yeah, le porte-clés. Alors, hop, si je le mets là, comme ça. Toujours avec ma sexy girl qui est trop jolie. Et à l'arrière, en fait, ça représente comme une balle de golf. Voilà. Et dernière petite chose, mais pas des moindres. Donc, hop, ça se trouve dans une pochette en velours. Oh, purée, trop bien. Alors là, merci Anne. Ça, c'est une surprise parce que je ne savais pas du tout que j'allais le recevoir. En fait, ce sont les designs. Vous voyez, il y en a trois. Un. Ah, raté. Deux. Et trois. Et en fait, ça se met sur le frigo. Ce sont des, comment on appelle ça? Des magnettes. Donc, je trouve ça juste excellent. Bah, effectivement, merci beaucoup Anne. Je ne savais pas que j'allais recevoir ça et je trouve l'idée excellente. Excellente, je vais faire de la place sur mon frigo.
Et donc, je disais, dans la pochette en velours, il y a aussi des dessous de verre. Alors, bon, vous voyez bien que j'ouvre en même temps avec vous. Hop. Je vais y arriver, je vais y arriver. Yes, là. Ah ouais, il y en a pas mal. Hop là, ils sont épais, hein, je sais pas si vous voyez. Et donc voilà le design. Donc ils ont tous le même design. Hein. Enfin, attendez, je vérifie. Ah ouais, puis la matière est vraiment agréable au toucher. Donc voilà, really, voilà. Bah écoute, encore merci Anne. J'espère que vous, ça vous a plu. Je vous invite vraiment à aller voir. Allez voir le site internet ou la page Instagram de Golf Art Time. Voilà, ça vaut vraiment le détour et les prix sont vraiment sympas. Et encore une fois, les dessins sont originaux et vous êtes sûr que c'est pas un produit que vous retrouverez en grande surface ou je ne sais où. Voilà, et puis en plus, ça peut être aussi une bonne idée cadeau pour des golfeurs ou des golfeuses. Enfin, je pense notamment, franchement, les golfeuses, on aurait la classe, hein, on va avoir la classe sur les parcours. Enfin bref, bah écoutez, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne après-midi, bonne journée, bonne soirée, je ne sais pas, et à très vite. Des bisous.